sont des têtes qui sont comme des portraits de peintres. Donc, il s'agit de grandes huiles et collages sur toile de 2 mètres par 1 mètre 50 vertical. Les bouches, qui sont des fermetures éclair, en fait, sont des bois gravés que j'ai collés avec du papier japon. Et les yeux sont peints d'après un bois gravé. Et puis, il y a toujours une scène, en fait, qui est de ce que le peintre, en l'occurrence moi, peut avoir dans la tête lorsqu'il travaille. Donc, que ça soit des images tirées de cinéma, des images tirées de peintures d'artistes, soit anciens, soit contemporains, soit modernes, etc. Et là, avec cette série, et depuis quelques temps, ça s'est un peu refermé sur ce que c'est que la peinture, ce que c'est que l'atelier, ce que c'est que d'être un peintre, en fait. Et tout ce qui est le monde intérieur, toutes ces choses-là, voilà. Avant, en fait, mon travail était plus un travail comment on voit l'artiste peut voir le monde et y apporter sa vision critique. Donc ça se voulait plus politique, plus parlant du monde entier, quoi. J'ai plutôt tendance à avoir des couleurs plutôt réalistes. Moi, j'aime quand ça se rentre dedans, qu'il y a des crissements, donc je vais pas être dans des tons forcément qui s'accommodent bien, ou des rapports, des accords de couleurs vraiment très criards, quoi. Mais en mélangé à des choses qui semblent plus naturelles, comme les terres, et qui accentuent, qui permettent de porter tout ça, quoi. Tout mon travail, c'est un travail de montage et de collage. C'est-à-dire, quand j'étais étudiant en Beaux-Arts, je suivais des cours sur les rapports cinéma et peinture. Et on s'est retrouvé avec des films d'Eisenstein, de Godard, enfin, les rois du montage, quoi. Et ça a été très impressionnant pour moi et ça m'a aidé à forger ma pensée, en fait. Et du coup, quand je travaille, ça marche comme ça, que ce soit un collage direct ou que ce soit des rencontres. Deux images qui se rencontrent, qui vont en créer une troisième. Un truc qui m'a vachement influencé et qui m'a marqué, en fait, c'est un film de Fassbinder qui commence. C'est noir et blanc. Vous avez une scène, une chaise, et un personnage rentre par le côté de profil. Il se tourne vers le spectateur, il s'assied, il commence à parler en se présentant, etc. Et en fait, cette frontalité, ça m'a vraiment bluffé. Et donc, moi, mes tableaux, c'est toujours des scènes avec des choses qui sont posées. Il y en a une si c'est une tête, mais il peut y avoir des tas d'éléments et qui sont posés sur un système bien précis, quoi, très frontal, quoi. Des fois, j'essaye de mettre un peu de perspective, un paysage, etc., mais ça reste quand même, ça reste une certaine frontalité quand même. J'ai beaucoup utilisé l'image de la Seconde Guerre mondiale qui me permettait, en fait, d'avoir une image forte qui était immédiatement perceptible pour une grande partie du monde et en tout cas pour tout le monde occidental. Les historiens ont fait leur travail, c'est-à-dire que les images ont décanté. Du coup, je peux m'en servir pour parler du monde actuel. Si j'avais pris une image de Abu Ghraib, par exemple, il y a tellement de propagande des deux côtés de l'image que c'est brûlant, quoi. On ne peut pas se servir de ça. Moi, j'aime passer par des ellipses, des métaphores. Je fais une peinture réaliste. Le monde dans lequel on vit, il est violent, il est sombre, il a peu de perspectives. La mort et la vanité, parce qu'on vit dans un monde pourri. Voilà, c'est ça. Donc, et puis en plus, vous avez le pouvoir qui s'exerce et qui se traduit par ça, par l'oppression et par la mort. Donc, le pouvoir, que ce soit l'argent, que ce soit la religion et la publicité et la vanité par excellence. Parce que si vous grattez c'est-à-dire une fois enlevé le vernis, qu'il soit les modèles qui sont retouchés par Photoshop, mais que ça soit simplement le message qui est donné, que tout est tellement extraordinaire dans la publicité. En fait, derrière ce vernis, il y a la mort, c'est tout. Voilà.
quand on prend conscience de ça, ça peut venir dans vos tableaux, voilà. Bon, moi, c'est le cas, c'est tout. Le dessin, c'est une projection directe de la pensée. Vous avez une idée, vous prenez votre pinceau ou votre crayon, et puis voilà, ça va être fait en une demi-heure, ou en une heure, ou en 10 minutes, ou en 30 secondes, je ne sais pas. Donc c'est l'illustration directe de ce que vous avez dans la tête, quoi. C'est le chemin le plus court que j'ai trouvé, c'est ma main avec un outil. L'artiste, il n'est pas tout seul dans l'atelier, en fait. Donc, quand il peint, il a des milliers d'années d'histoire de l'art derrière lui, et des artistes, de la grotte de Lascaux jusqu'à Picasso. Et puis, tous ces gens-là sont au-dessus de votre épaule, et c'est eux qui sont le juge. C'est à eux qu'il faut se mesurer pour que, que le tableau soit réussi. C'est pas à des choses éphémères comme... une critique dans un journal où je ne sais quelle personne qui passerait à l'atelier. Voilà. Même quand c'est des gens bien, quoi. Enfin, je veux dire, des gens avec qui il y a une bonne relation et qui ont une culture solide, etc. Eux peuvent vous aider à avancer, mais la jauge, c'est pas ça. Quoi.